Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, M. Fidèle Kietega, administrateur civil à la retraite et ancien ministre de l'éducation de base et de l'alphabétisation. Bonsoir M. Kietega. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Là, vous avez fait votre école primaire de 1962 à 1968 à Touessin. Votre secondaire au Noble Zenda, où vous obtenez votre baccalauréat série A4. Je suppose, en 1976. Et puis ensuite, c'est direction donc le Togo. Vous êtes à l'université du Bénin, université du Bénin qui se trouve bien sûr le Togo, où vous obtenez la licence en lettres modernes en 1980. Alors à ce niveau, quand on regarde déjà, il y a l'impression qu'il y a une cohérence, vous êtes un littéraire né. Oui, c'est exactement ça. Vous aviez une aversion pour les séries scientifiques? Aversion, non, mais j'avais une prédisposition pour les séries littéraires et je me rendais compte que mes notes en mathématiques, etc., étaient vraiment minables. Contrairement à l'avis de mes professeurs, d'ailleurs, qui me disaient que qui est bon en philosophie, par exemple, doit être bon en mathématiques. Je ne voyais pas la relation, en tout cas jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. Et je n'ai jamais été vraiment excellent dans ces matières, je le reconnais. En tout cas, on voit cette cohérence dans votre choix de formation après le bac. Comme je l'ai dit, vous êtes au Togo à l'université du Bénin, vous obtenez une licence en lettres en 1980. Pourquoi le Togo, d'ailleurs, on a vu de ça. Non, c'était, en fait, c'était pas le choix des étudiants. Nous avions, on avait des bourses à l'époque, et l'État orientait les gens, qui à Dakar, qui à Abidjan, qui au Togo. Et nous étions des centaines au Togo comme étudiants burkinabés voltaïques à l'époque. Tout se passait bien là-bas? Je ne dirais pas tout s'est passé bien. Vous avez suivi même a posteriori les frasques des étudiants burkinabés à Lomé, où ils étaient habitués à renchérir, à faire de la subversion, à faire de la politique, à faire de la subversion, comme vous dites, effectivement, à mener des activités militantes. Et on avait objecté sur un certain nombre de points par rapport à la gestion du président Yadema, qui a valu à des gens d'être incarcérés, d'être chassés, d'être renvoyés de l'université du Bénin et des services du CENU, du Centre national des œuvres universitaires. Il a fallu que l'État burkinabé, à un moment donné, envoie des gens louer des maisons pour pouvoir permettre à certains étudiants de poursuivre leurs études. Et vous avez suivi d'ailleurs l'odyssée célèbre du journaliste Fénor Berzango, qui a dû partir à pied, se cacher, aller au Ghana, et puis, etc., pour pouvoir revenir au Burkina. Voilà. Donc, à l'époque, il ne fallait pas écorner l'image du président. Il ne fallait pas écorner l'image du général Yassine Bey Adema. Je me souviens que les gens dansaient à l'image de Adema, en l'honneur de Adema. Ses ministres dansaient. Son fameux ministre des Affaires étrangères, Edem Kodjo, d'ailleurs, les gens racontent cette anecdote où son homologue français, énarque comme lui, qui vient rendre visite et Adema, pour lui faire un pied de nez, lui demande, mais alors les gens dansent animation, pourquoi tu ne danses pas? Et il a fallu qu'il danse devant son homologue français qui était venu lui rendre visite. Alors que vous, à cette époque, déjà, il faut dire que c'est la période pré-révolutionnaire. Et à l'époque, déjà, il y avait ce bouillonnement des idées. Pas seulement pré-révolutionnaire. Il faut dire que le Burkina, la Haute-Volta, a toujours été quand même un vivier pour les activités militantes. Donc, depuis les périodes post-indépendance, Maurice et Mouyogo, vous savez que les étudiants et élèves ont toujours été très, très actifs ici au Burkina Faso. En tout cas, vous obtenez votre licence au Togo. Ensuite, vous prenez la direction de l'Allemagne, où vous obtenez également une licence, mais là, en germanistique. Oui. Pourquoi est-ce que vous aviez un amour particulier pour la langue de Goethe? Là aussi, ça a toute une histoire, parce que vous savez bien que les Allemands cherchent aussi à pénétrer un peu dans nos zones. C'est une puissance économique qui a perdu ses colonies à la suite donc, de la Première Guerre mondiale, que vous savez, et qui cherche à rentrer. Donc, ils donnaient des bourses à ceux qui le voulaient, pour apprendre l'allemand. Et j'étais très intéressé parce que j'étais déjà assez bon
depuis le lycée, j'étais ici avec, en langue allemande. Ce n'est pas une langue réputée facile à Non, pas facile, mais bon, on finit par l'apprendre comme les autres langues. Mais à cette époque, vous apprenez l'allemand pour quoi faire? Est-ce que vous aviez un objectif? Naturellement, je pense qu'on était destiné à être enseignant. J'étais destiné à être enseignant. D'ailleurs, je crois que c'est la chose que je dois le plus regretter dans ma vie, n'avoir pas embrassé la fonction d'enseignant. Parce que c'est ce que je fais le mieux, transmettre, être en phase avec les jeunes, parler, etc. Je me suis toujours senti très bien dedans quand je le fais. Parce que j'ai enseigné au Burkina ici depuis 81 jusqu'à l'avènement de la Révolution. J'ai enseigné l'allemand. En tout cas, si vous n'êtes pas rentré dans l'enseignement, c'est parce que vous avez embrassé une autre carrière. En 1981, vous entrez à l'École nationale d'administration de Ouagadougou, comme donc administrateur civil. Oui. À cette époque, ça correspondait à quoi? Est-ce que c'était un projet, une ambition, ou est-ce que c'était juste pour le besoin d'avoir travail et puis un salaire à la fin du mois? Non, le salaire était presque garanti. Il faut dire quand même qu'on avait cette chance, c'est pas comme aujourd'hui. Si vous prenez l'exemple de ma commune, aujourd'hui, il doit y avoir une trentaine d'écoles. À l'époque où j'allais à l'école, il n'y en avait que trois. Palais de Yako? Voilà. Non, je parle de la commune de Samba. Samba, ok. Voilà. Il n'y avait que trois écoles dans la commune de Samba. Il n'y avait même pas d'établissement secondaire. Il fallait aller soit au Yuya ou Aga ou Bobo, etc. Alors, donc, le salaire, lui, il était pratiquement garanti. Maintenant, c'est un effet de monde, parce que l'École nationale d'administration aussi, c'était quand même une école de renommée, et je voulais y entrer. C'était là qu'on formait les élites. Voilà, on formait les élites. Je suis entré, et j'ai fait le cycle supérieur de l'École nationale d'administration, et je suis sorti administrateur civil, comme vous l'avez dit. Alors, vous sortez administrateur civil, 1983, 4 août, c'est la Révolution. Thomas Sankara est président après avoir renversé le régime du CSP, le Conseil du salut du peuple de Jean-Baptiste Ouédraogo. Et là, on vous retrouve à la présidence. D'abord, expliquez-nous comment vous vous êtes retrouvé à la présidence à cette époque-là. Oui, merci de l'occasion que vous me donnez, parce que beaucoup de gens ont toujours pensé que c'est les activités politiques qui m'ont amené à la présidence du FASO. Non, c'est administrativement que j'y ai été affecté à la fin de ma formation à l'École nationale d'administration. Avec d'ailleurs un autre de mes camarades, et nous avons fait notre carrière ensemble, nous sommes partis à la retraite ensemble. Nous avons été affectés comme cadre à la présidence du FASO, nous deux, comme d'autres sont affectés au ministère des Finances, à l'administration territoriale, au tourisme, etc. Donc ce n'était pas lié à vos activités politiques, non, pas ou bien tout. À votre verve révolutionnaire? Pas du tout. C'est vrai que je l'avais aussi, cette verve-là. Parce qu'on a envie de savoir si c'était une affectation comme ça. Non, est-ce que véritablement vous épousiez à l'époque le rêve des jeunes révolutionnaires? Absolument. Parce que il faut dire que depuis les bancs de l'université, surtout, étudiants d'abord ici, nous avons été élèves d'abord du secondaire, nous avons été formés, nous menions des activités militantes, mais étudiants surtout, nous avons été plus actifs encore dans le militantisme. Et donc, nous suivions aussi le bouillonnement de politique qui se passait dans notre pays, avec chacun ses options. Et donc, c'était une symbiose que de me retrouver à la présidence avec le président Thomas Sankara. Et donc, je n'y suis pas arrivé par la politique. C'est administrativement que j'ai été affecté à la présidence du FASO. Mais n'empêche que vous étiez donc un jeune révolutionnaire plein de rêves également. Absolument. Absolument. Pour mon pays. Plein d'utopie également, est-ce qu'on peut le dire? Pourquoi pas? Plein d'utopie aussi. Parce qu'on a l'impression qu'à cette époque, c'était des rêves sans limite qui tutoyaient l'utopie. Alors, vous aviez envie de changer le monde, carrément. Un vrai révolutionnaire n'est pas un ex-révolutionnaire. Je le suis encore aujourd'hui, donc je ne pense pas comme quelqu'un d'utopique. Il n'y a pas de retraite à la Révolution. Je suis retraité administrativement. Mais aujourd'hui, je demeure convaincu que la voie que nous avions choisie était une voie royale pour la réalisation de notre bien-être commun au Burkina Faso. N'oubliez pas que Thomas Sankara se démarquait de tous les discours, de tous les alignements. Il voulait une voie à nous qui tient compte de nos réalités, de notre histoire, de notre vécu, de notre culture.
hein, de l'Afrique, ce qu'il y a d'authentiquement africain. C'était ça son rêve. Tant que vous lui amenez, vous vouliez l'amener aux thèses de Lénine ou de etc., il disait oui, mais on puise dedans, mais nous l'adaptons à nos réalités. C'était ça notre rêve. Et je crois toujours. D'ailleurs, vous avez suivi que beaucoup de pays, je ne les ai pas entendus, mais on me le dit toujours, se sont inspirés de ce que Thomas Sankara a fait et ont amené leur pays dans l'émergence. Prenez le Rwanda. Ok, on va y revenir. En tout cas, vous arrivez à la présidence et vous êtes tout de suite dans le premier cercle, disons, du président. Vous bénéficiez de sa confiance. Déjà, on a envie de comprendre à ce niveau, parce que vous l'avez dit, vous avez été affecté administrativement, mais tout de suite, vous avez la confiance de Thomas Sankara. C'est vrai. Comment ça se fait? C'est vrai. Alors, je rappelle au passage que quand je suis arrivé, c'était d'ailleurs M. Charles Bila Kabore, le père de l'actuel président, qui était secrétaire général de la présidence et qui était un homme, je dois le dire, très, très humble, très modeste, qui avait beaucoup de respect et de considération pour les autres, qui est venu dans le bureau qu'il m'avait fait donner avec le calepin, le bic, etc., et les encliers pour me dire « je vous souhaite une bonne carrière dans l'administration ». C'est très important. Alors, donc, c'est un jour de passage, Thomas Sankara voit quelqu'un qui est assis, il rentre, il demande « mais qui êtes-vous ? » Et moi, je lui explique qui je suis. Il me demande « bon, est-ce que vous pouvez me faire telle, telle chose si vous êtes venu à la présidence pour travailler ?» Je dis « naturellement. Est-ce que vous pouvez me préparer tel et tel dossier ?» Et je le fais. Et quand je suis allé pour lui rendre compte, parce que lui, il avait baissé les barrières, on ne passait pas par n'importe qui pour aller lui donner, il avait envie de voir la personne qui a fait le travail. Et il me demande, après l'avoir lu, mais vous avez travaillé où avant de venir ici? J'ai dit, nulle part. Il a dit, c'est pas vrai. Je dis, oui, bien sûr, je n'ai travaillé nulle part. Je suis sorti de l'École nationale d'administration. Sauf que j'ai enseigné comme vacataire dans des établissements secondaires. Et c'est parti, comme ça. Et quand il sortait, il passe, il dit, bon, viens, on va à tel endroit, on fait ceci, on fait cela. Et la confiance... Est-ce qu'à l'époque, parce que, bon, comme je l'ai dit, vous n'avez pas suivi son parcours, vous n'étiez pas un militant de la première heure. Donc, est-ce que vous n'aviez pas des appréhensions? Parce que quand même, Sankara, on n'était pas là, mais ce qu'on retient de lui, c'est que c'était un homme de rigueur. Oui. Qui inspirait la crainte, vous alliez dire. Également. Non, moi, nous qui étions à côté de lui, beaucoup de gens qui travaillent à la présidence sont encore vivants, peuvent attester. Il n'inspirait pas la crainte auprès de ses collaborateurs. Il inspirait plutôt, les gens avaient besoin des moments de récréation qu'on avait, d'aller de nous retrouver au sport de masse, etc., pour discuter, des colibés, etc., et rigoler ensemble. Et il aimait la contradiction. C'est un homme, quand il dit des choses et que tout le monde est assis, ne dit rien, on sentait qu'il n'était pas dans son assiette. Il cherchait à convaincre. C'était ça, Thomas Sankara. Et les gens ont présenté... Est-ce qu'il n'était pas en avance sur son temps? C'est ce que certains ont dit. Certainement. Certainement. C'est un peu ça, l'Afrique, malheureusement. Vous l'avez vu. Tous ceux qui ont payé de sa vie, de leur vie, leur engagement pour l'Afrique, quand je reprends Lumumba ou Kuruma ou d'autres, ils ont été en avance sur leur temps. En avance sur leur temps parce que d'abord, il faut une base de gens éduqués, qui soient conscients de certaines choses pour que vous puissiez les conduire. Une étoile filante toute seule ne peut pas faire le boulot. Mais à l'époque, c'est justement ça. Est-ce qu'il n'y avait pas justement ce hiatus-là? Est-ce que ce n'était pas une marche forcée du peuple vers une destination, quand bien même elle est radieuse? Il y avait certainement ce hiatus. Il y avait certainement ce hiatus, il ne faut pas le nier. Mais Thomas avait réussi la magie, en quelque temps, de se rallier à l'adhésion de ce peuple-là qui était le plus mal préparé, qui n'était pas éduqué, qui n'était pas peuple illettré, etc. Mais qui ont vu dans les actes qu'ils posaient tout de suite que c'était à leur avantage. En si peu de temps, il leur a redonné les lettres de noblesse et d'honneur. Ils arboraient même quand ils partaient
dans les pays voisins leur carte d'identité pour qu'on voit le drapeau dehors. Ils n'avaient plus peur, ils ne rentraient plus la queue entre les jambes. Ils voyaient que quand on leur dit investissement humain, etc., ils chantaient, ils dansaient en transportant les pierres. Ils ne demandaient pas qu'on les rétribue comme c'est le cas aujourd'hui. Si vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose dans un village, pour lui-même, il vous demande d'abord qu'est-ce que vous me payez. Mais est-ce qu'à cette époque également, ça ne se faisait pas, en tout cas, en tordant le cou aux libertés, parce qu'aujourd'hui également, c'est ça, parce que les jeunes aujourd'hui, qui idolâtrent à la limite le président Sankara, sont des jeunes épris de liberté. Mais on peut pas. On parle même d'un civisme, là, c'est une liberté vraiment sans réserve. À cette époque-là, est-ce que ce n'était pas tout à fait le contraire? Nous n'avons pas peur des mots. Je pense qu'effectivement, ce n'était pas ce que nous vivons aujourd'hui. Ça, il n'y a rien à dire par rapport à la liberté de dire, de faire, etc. Et de penser même qu'on est tous des politologues, qu'on est tous prêts pour être aux premières loges à Kosiang. Vous prenez du retraité que je suis jusqu'à celui qui taille son bois. Chacun est politologue au Burkina. Avec ça, on ne peut pas construire une nation. Il faut que les gens sachent que les rôles se distribuent et que, malgré toute ma bonne volonté et mon expérience, je ne peux pas être un bon journaliste. Mais est-ce que ce n'est pas ça le paradoxe aujourd'hui? Parce que quand vous regardez la jeunesse aujourd'hui, oui, on a une jeunesse burkinabé qui porte fièrement l'effigie de Thomas Sankara et qui, dans le même temps, dans la pratique, ne fait des choses qui sont carrément à l'opposé des valeurs que prônait Thomas Sankara et de la gestion que Thomas Sankara. Les jeunes ont besoin de quelqu'un pour porter le drapeau. Si vous avez un porte-drapeau comme Thomas Sankara, les jeunes vont le suivre. Ça, je suis presque certain. Quand je regarde rien que le tollé qu'il y a eu, quand quelqu'un cherche à écorner son image de la part de ces jeunes-là, je pense que les jeunes ont besoin. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut des régimes forts dans nos pays? Régimes forts, entrant avec des griffes, parce que ça peut comporter toutes les dérives qu'on peut y mettre. Non, je le dis parce que de la même manière que Sankara aujourd'hui est vénéré à la limite, un président comme Kagame, le président Kagame au Rwanda, aujourd'hui suscite la même admiration pratiquement de la part des jeunes. Alors que là également, quoi qu'on dise, c'est quand même, on peut dire que c'est un régime assez fort. La liberté ou le pouvoir de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, là où il veut, comme il veut, quand il veut, du retraité que je suis, par rapport au choix de travailler pour donner à boire, à manger, de soigner, de loger, de protéger la plus grande masse silencieuse, parce qu'elle n'a même pas accès à ce que nous faisons, je crois qu'il faut faire un choix. La démocratie, qu'est-ce que c'est au fond? C'est un type de gestion de la société, éprouvé et mis en place par les démarches, les torts, les erreurs, etc. Et vous mettez quelque chose en place que vous défendez pied à pied. Mais quand vous allez à 5 km de Ouagadougou, dans un environnement moyenâgeux, où vous donnez à ma mère ma carte d'électeur à choisir, elle ne connaît même pas ma photo, elle regarde à l'envers, qu'est-ce que vous voulez que ça signifie pour elle, la démocratie? On a vu les gens en Afrique faire ce qu'ils ont fait de la démocratie. On n'est pas mûr pour la démocratie. Il a fallu que Mitterrand ou ceux qui disent à la bonne, bon, les régimes qui ne sont pas démocratiques, on n'en a plus besoin. Et puis les régimes dictatoriaux se sont mués dès le lendemain. Qu'est-ce que vous voulez? Presse plurielle, beaucoup de partis, Blaise en crée, en donnant à chacun. Insulte-moi au passage quand tu veux. Et puis bon, voilà, on présente aux autres comme un certificat spécifique. C'est une mascarade. Je suis d'accord avec la démocratie, mais il faut aussi une démarche pour mûrir la démocratie et la défendre. Par contre, quand la presse ici soulève des lièvres, ça fait quoi? Parce que justement, on sait que ça ne dépasse pas les quelques intellectuels qui s'agitent. C'est pour ça que les lièvres que vous levez, vous dites Fidel qui est un corrompu, il a fait ceci, il a fait cela, il passe toujours et puis il s'en fout. Donc vous, ça ne vous dérange pas qu'un président comme le président Kagame fasse, voilà, s'éternise au pouvoir?
L'essentiel, c'est le résultat. L'essentiel, je pense que ça peut être le résultat. On ne peut pas tout avoir. Il faut faire des choix. En tout cas, vous êtes aux côtés du président Thomas Sankara. Vous gérez les affaires politiques à la présidence sous donc le CNR. À partir de 1985, vous participez à l'écriture de ces petits papiers. Vous organisez ces voyages à l'étranger. Et les choses sont ainsi jusqu'en 87. Octobre 87, c'est la catastrophe, la Nakba, comme qui le dirait. Un drame, la rectification, Thomas Sankara donc est tué. Comment d'abord vous avez vécu ce moment fatidique? Je l'ai dit dans un jour avec le journaliste Alain Foucault dans Archives d'Afrique, que nous sentions quand même, parce qu'il y avait des tracts, il y avait des rumeurs folles. On disait qui veut faire ci, qui veut faire ça. J'ai même posé la question à Thomas Sankara lui-même un jour. Il m'a répondu que tu fais partie de ceux qui ne sont jamais venus me dire quoi que ce soit sur quelqu'un. Tu te contentes de ton travail. Et si tu me poses la question aujourd'hui, c'est que, certainement que tu as entendu beaucoup et tu es excédé. Mais je peux te dire que il faut les prendre et les laisser passer. De toute façon, je n'ai jamais fait de mystère par rapport à ma vie. Je sais qu'avec les intérêts que je bouscule ici et ailleurs, ce n'est pas moi qu'on montrera un jour du doigt, voilà l'ancien président Thomas Sankara qui passe ployé sur sa canne. C'est tout dire. Et donc, ces rumeurs-là, on les redoutait. Et par exemple, Thomas Sankara m'a envoyé avec Blaise Compaoré à Brazzaville, à quelques jours du 15 octobre, parce qu'il y a un certain capitaine Pierre Anga qui s'était rebellé contre Sassou Nguesso pour aller dire à Sassou Nguesso de ne pas envoyer des gens derrière lui, des troupes pour le tuer. Que lui, il se défait de sa tenue de président pour venir aller en brousse le rencontrer pour les réconcilier. Il faut que l'Afrique donne une autre image de ces mouvements qu'elle fait. Et le premier a éliminé le deuxième, etc. Il dit, comment voulez-vous que les autres nous prennent au sérieux? Et donc, j'étais avec Blaise, il nous a reçus, il nous a fait manger en privé avec lui, servi d'ailleurs par sa fille, qui était ensuite l'épouse de Bongo, Edith Sassou Nguesso. Et puis, voilà, nous sommes revenus, en passant par Abidjan, où il y a eu des choses. Mais par la suite... Il y a eu des choses. Oui. Maurice Amoyogo est passé, je pense, à sa suite, parce que nous étions logés de façon contiguë. Il était dans une suite, et moi j'étais dans la chambre d'à côté. Et donc, de temps en temps, je regardais un peu pour voir qui passe. C'est normal, quand j'entends du bruit dans le couloir. Vous espionnez un peu? Pas pour espionner, mais pour regarder qui passe. Ouais. C'est de bon ton. C'était aussi derrière mon chef de mission. Ouais. Bon, même si je ne peux pas le défendre, je regardais quand même qui vient chez lui. Alors, et quand nous avons été manger ensemble chez un du Passoré, un vétéran de Côte d'Ivoire, ami de Oufoué Boigny, qui m'a fait appel après pour me dire... il faut que tu reviennes te planquer pendant quelques jours parce que c'est fini entre les deux. Tu es trop proche, tu vas être victime. Si tu as un problème, moi je t'envoie un billet d'avion. Des témoins, ses enfants sont vivants aujourd'hui, le vieux lui-même est décédé. Mais tout ça, quand je suis rentré, je n'ai pas dit un mot à Thomas Sankara. Parce que je ne voulais pas être celui qu'on instrumentalise dehors pour apporter tout de suite des fausses nouvelles. Peut-être que vous n'y croyez pas. Pas que je n'y croyais pas, je le doutais, mais je me disais que chacun doit faire son travail. Je laisse ce genre de travail à d'autres, mais je ne viens pas rapporter ce genre de rumeur alarmiste, parce que je savais qu'il était un proche de Oufoué Boigny, mais qui était aussi du Passoré, donc qui cherchait certainement à me protéger. Ensuite, un de mes proches m'a appelé au téléphone, qu'il veut me voir. Il est venu, il voulait rentrer à la présidence, mais il ne portait pas de façon d'enfant, on lui a refusé l'accès. Et c'est moi qui suis sorti venu le trouver en face de la télévision ici,
sous le grand Caïcédra en face de l'ambassade de France. Il m'a dit, ne pars plus au travail, reste à la maison, parce que comme Thomas refuse de faire quoi que ce soit, on va venir vous tuer tous ensemble là-bas. Ketka Pouska Daniel, il s'appelle. Et je dis, ah bon, à ce point-là, je dis, qu'est-ce que tu as entendu? Il me dit, ah, qu'est-ce que lui peut dire? Mais que Thomas refuse de faire quoi que ce soit, on va venir le tuer. Donc, ne va plus au travail. Prétexte que tu es malade, parce que c'est dans les deux jours-là qu'ils vont venir. Et puis, ensuite, la barrière ici, au niveau du ministère des Finances, on lui avait tendu une embuscade quand il rentrerait de la visite familiale. On fait halte là, il est avec un ou deux gardes du corps, incident de tir, et puis on l'exécute. Parce que des gens devaient venir du Conseil de l'Entente, bloquer les deux ou trois qui sont assis avec leurs mitrailleuses, et puis les remplacer en attendant que Thomas arrive. Ça, c'est connu. En tout cas, beaucoup de ceux qui étaient avec nous le savent. Et puis, quand les services de sécurité de Thomas ont appris, ils ont doublé les gens qui étaient là-bas. Et les gars du Conseil de l'Entente sont venus, effectivement. Ils ont trouvé plein de gens autour des Caïcédra, bon, vigilance camarade, machin, et puis ils sont repartis. Donc, il y avait tout plein de signes. Avant-coureurs. Mais pour vous, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? Est-ce que Sankara était devenu un problème? Moi, je pense que oui et non. Oui, parce que un problème, vous le fabriquez. Vous en faites ce que vous voulez. On a dit des choses, le peuple n'est pas content, le peuple est excédé, le peuple est fatigué, le peuple a besoin de souffler. Et nous étions combien d'ailleurs comme fonctionnaires qui avions un salaire à l'époque? Parce qu'il faut dire qu'effectivement, les salariés avaient perdu beaucoup de leurs avantages. Moi, j'ai commencé à la fonction publique avec un salaire autour de 100 et quelques mille. Mais en tant que conseiller du président Thomas Sankara, quand il mourait, j'avais un net de 67 000 et quelques francs CFA. Ça, il faut le dire. Et j'avais une maison, j'avais une femme, j'avais des enfants, j'avais des obligations. Et je ne recevais aucun frais de mission quand je partais à l'extérieur, parce que j'étais pris en charge. J'arrive, bon, véhicule, machin, traducteur. Et tout le monde disait, bon, il n'y a pas de raison que vous ayez des frais, des indemnités de mission. C'était normal que les gens ne soient pas contents. En tout cas, l'intelligentsia, ceux qui travaillaient, qui avaient des salaires, c'était normal qu'ils ne soient pas contents. Donc, ça existait. Maintenant, qui veut noyer son chat à la cuve de rage, hein, on sait que Blaise était en contact, c'était le ventre mou, les autres ont regardé, ont observé son train de vie, ont observé aussi son ambition, et puis l'ont instrumentalisé. Vous avez dit que quelqu'un tirait les ficelles? Oui, je pense bien. À Morée, on dit que c'est le ver qui est dans le poids de terre qui le détruit. Nous parlions, l'impérialisme, le quoi, la réaction internationale, c'est à l'intérieur qu'on instrumentalise quelqu'un. Moi, je pense que c'était tiré de. Les ficelles étaient tirées de l'extérieur. Parce que je pense, en toute logique, on ne peut pas ne pas penser que les ficelles étaient tirées de l'extérieur. Ok. Oui. En tout cas, c'est une des pages les plus sombres de notre histoire politique. L'actualité est marquée, vous l'avez certainement suivi par la sortie. En tout cas, littéraire du président Jean-Baptiste Ouédraogo, Ma part de vérité, c'est le titre de son œuvre. L'ancien président, tout en se défendant bien sûr de faire le procès du président Thomas Sankara, le dépeint sous des traits un peu, en tout cas très peu flatteurs. Il voit par exemple en lui un assoiffé du pouvoir. Oui. Déjà, comment vous avez accueilli la sortie de cette œuvre? Et puis un peu ce portrait plus flatteur dressé du président Sankara. Je dois d'abord dire que je ne suis pas à l'aise de répondre parce que je n'ai pas lu son livre. J'aime souvent parler de ce que je sais. Mais pour autant que j'ai eu comme l'écho que j'ai eu, me suffit de savoir pour que... Et ensuite ce que j'ai écouté, je l'ai écouté avec à votre micro ici, me suffit pour savoir effectivement qu'il ne l'a pas dépeint sous des traits flatteurs. C'est son droit, je pense. Mais même si c'est un médecin,
que les autres dépeignent comme un non-militaire. Il a quand même fait une incursion dans la politique, ou c'est une excursion, je ne sais pas. Toujours est-il que ça devrait lui suffire de sa pour savoir qu'on ne s'attaque pas à un homme comme Thomas Sankara. C'est une image aujourd'hui qui dépasse la famille de Thomas Sankara, qui dépasse les Burkinabés. C'est devenu une icône qui est dans le panthéon des grands hommes aujourd'hui, qui compte au monde. Et vous ne vous attaquez pas impunément à ce genre d'homme. Mais d'ailleurs, je me demande pourquoi. 37 ans après. Non, mais le président Jean-Baptiste se défend. C'est pas pour, il n'a pas fait le procès de Sankara. Ah, si. Si ça, ce n'est pas un procès. D'ailleurs, je ne pense pas que c'est un procès. C'est pire qu'un procès. C'est une condamnation sans procès, parce qu'un procès, on vous demande, vous donne l'occasion de vous défendre. Ça, il est monté sur un ring, un boxeur solitaire, sans adversaire à côté, il donne les coups il veut. Je crois que la retenue que commande son âge, que commande sa foi, etc., aurait dû d'ailleurs l'en empêcher. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Pensez-vous que Sankara est au-dessus de la critique aujourd'hui? Ah non, pas du tout. Mais pas le descendre de cette façon, que c'est un achoiffé du pouvoir. Vous savez, le procès, là, il a dit pire que dans le livre que je n'ai pas lu. En tout cas, le discours de lors de sa dédicace suffit à camper sur ce qu'il a fait, ce qu'il pense de Thomas Sankara. Parce qu'il a dit que les jeunes là, croient que c'est quelqu'un de parfait, croient que c'est, etc. Et que lui, aujourd'hui, il est venu pour déconstruire ce tissu de mensonge. C'est terrible. Était-il parfait? Thomas Sankara, mais alors loin de là. D'ailleurs, il était le premier à dire qu'il n'était pas parfait. Il était le premier à revenir sur les erreurs que nous faisions pour qu'on essaie de les corriger ensemble. C'était un homme. D'ailleurs, avez-vous jamais vu un héros parfait quelque part? C'était qui? Mais pourquoi vous déniez aujourd'hui le droit au président Jean-Baptiste Ouédraogo de la bien intituler ma part de vérité? On lui dénie pas le droit de dire ce sont ses sentiments, c'est subjectif, c'est son point de vue personnel qu'il a exprimé à travers cette œuvre. On ne lui refuse pas le droit de s'exprimer, mais qu'il nous accorde aussi le droit de dire ce que nous pensons de son œuvre. Et ça, s'il a dit ses vérités, sa part de vérité, les jeunes de lui ont bien rendu. Pour paraphraser. Mais est-ce que vous ne pensez pas que quand même, dans ce pays, parce que c'est ce que le président a ressenti, le président Jean-Baptiste Ouédraogo, parce que c'est le règne de la pensée unique, alors, en ce moment, si personne n'a le droit d'enrichir l'histoire de son point de vue... Il n'est pas le seul à critiquer Thomas Sankara. Hein? Moi qui ai travaillé avec lui, qui ai eu l'honneur de travailler avec lui, il faut le dire, nous n'avons pas toujours été en parfaite symbiose. Il y a eu des moments où on ne s'est pas entendu. Des témoins sont là, ont su. Un jour où il m'a demandé un travail que je n'ai pas fourni rapidement, et devant des gens extérieurs à la présidence, il me l'a reproché véhément. Et moi aussi, je ne me suis pas retenu devant les mêmes gens. Je lui ai dit, mais je ne pensais pas qu'il devait me rembourser de cette façon. Moi qui ai toujours été à côté pour travailler, je n'ai pas pu déposer. J'ai dit, mais il faut me faire affecter ailleurs, je vais aller travailler. Ça nous est arrivé. Et donc, c'est peut-être ça aussi qu'il appréciait. Que de laisser 37 ans après et de faire ce genre de sortie, je trouve ça un peu... Mais moi j'ai eu la chance de lire cette œuvre. Oui. Quand il parle, le président Jean-Baptiste parle par exemple de trahison du président Sankara, mm-hmm. en se référant bien sûr au coup d'État contre César Bonsoir en 1982, ils ont demandé à Sankara de prendre le pouvoir. Le président Sankara a refusé. Alors on a mis en place le CSP provisoire, le Conseil provisoire, avec à sa tête donc Jean-Baptiste Ouédraogo, qui était le plus ancien dans le grade, le plus élevé. Et pendant que le CSP donc déroule son programme, le président Jean-Baptiste Ouédraogo le vit comme un tir au flanc. Mmh. Voilà cette marche vers la révolution, alors que tous s'étaient entendus pour aller vers un régime transitoire, une constitution et puis un retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que ce n'était pas vraiment une trahison? Alors, moi je vais vous dire, selon ça c'est neuf,
Là, c'est 6. Je crois que Jean-Baptiste Ouédraogo n'a pas pu dépasser ses vexations personnelles. Il faut qu'il aille au-delà de ça. Parce que pour un homme comme Thomas Sankara, je pense qu'il était obnubilé par la vision qu'il avait pour son pays. Et malgré les dénégations que les gens font, ce n'est pas nous qui le disons, c'est ceux-là même qui l'ont combattu à l'extérieur, qui le citent comme exemple, qui est arrivé à l'autosuffisance alimentaire, qui a fait les grands bons en matière de santé, en matière d'éducation, dont le programme des trois luttes est cité aujourd'hui en référence. Arba Diallo l'a dit d'ailleurs lors des 20 ans de l'assassinat de Thomas Sankara que nous célébrions, le PNUE, le programme des Nations Unies pour l'environnement, s'est inspiré de ces trois luttes. Lui qui était d'ailleurs le premier dirigeant de ce PNUE-là. Et il y a certains gens, Emmanuel Pond. Bref, c'est le monde entier. Quand vous pensez à ce qu'il a fait, sans chercher à s'octroyer quoi que ce soit pour lui, ni pour sa femme, ni pour ses enfants, dont le père est mort dans la bicoque que vous connaissez à Paspanga ici, vous devez quand même avoir un peu de retenue quand vous parlez de lui. Et donc, je crois que Jean-Baptiste Ouédraogo peut avoir vécu certaines choses comme des vexations, comme de la trahison, parce qu'effectivement, il lui avait promis des choses où je n'étais pas là-bas. Mais il faut se dire aussi que les promesses en cette matière la tiennent l'instant d'un truc. Quand vous découvrez sur les uns, sur les autres, des choses qui ne sont pas ce que vous croyez, et vous changez. Et c'est tout ça qui a pu amener Thomas Sankara à changer. Mais bon, que lui l'appelle trahison, je lui laisse le droit. Moi, je pense que derrière son écriture, je reviens à votre question, il a le droit. C'est même un devoir que ceux qui ont été témoins, et dans son cas, acteurs de la vie politique de notre pays, témoignent, écrivent, pour que les jeunes là, aient un fond sur lequel ils doivent se référer pour se bâtir, pour bâtir demain. Nous n'avons pas l'habitude de l'écriture au Burkina, et ça, c'est dommage. Mais quand vous écornez une image d'un homme comme Thomas Sankara, que d'autres ont tenté d'écorner avant, ils ont vu ce que ça donnait. Vous savez qu'après le 15 octobre, j'ai écouté, j'étais chez moi. On l'a traité de misogyne, de renégat, la rectification, de traître, qui voulait imprimer à la révolution une déviation droitière. Imaginez. On est allé au-delà, je ne sais pas s'il y a un au-delà de la droite. En tout cas, on y est allé. Tout simplement parce qu'on l'a tué. On l'a accusé d'avoir déposé une valise d'argent, ou des histoires comme ça, etc. Et c'est cette jeunesse-là qui n'était pas là, qui ne l'a pas vue, ni ici, ni ailleurs, au Mali, etc., qui le porte au mieux. Demandez-vous pourquoi. Demandez-vous pourquoi. Donc, ces histoires triviales-là, moi, je pense que Jean-Baptiste ne dépasse pas le bout de son nez quand il s'en prend à Thomas Sankara. C'est dommage de le dire. Je le respecte. Je l'ai toujours respecté. C'est un nénin. Et je voudrais que vous jeunes me respectiez aussi quand j'atteins cet âge-là. Mais qu'il accepte aussi qu'on lui dise que c'est une erreur. C'est une bêtise. Alors, après l'avènement du Front Populaire, on va progresser. On vous retrouve à la direction des études de la planification du ministère des Transports, et cela jusqu'en 1995. Oui. Puis coordonnateur du programme d'assistance aux réfugiés Touareg, 1995-1997. Oui. Directeur d'imprimerie 1997-2000. Oui. Là aussi, on a envie de comprendre. Oui, parce que j'avais, pour aller au HCR, j'avais pris une disponibilité. Et donc, quand j'ai fini avec le programme de réfugiés au HCR, j'ai d'ailleurs rendu ma démission. Le représentant résident à l'époque m'avait dit non, on ne rend pas de démission dans ce poste-là. On est prêt à vous faire passer à l'international et puis vous en avez pour toute votre carrière. Tout simplement parce que j'avais fait mettre une dame que j'ai trouvée à Déhou comme bénéficiaire, comme les réfugiés. Parce que j'avais trouvé qu'elle venait balayer là où nous avions distribué les vivres et elle allait maintenant tamiser pour enlever le sable et puis garder le grain. Alors que les réfugiés, c'était des gens nantis qui avaient des camions qu'ils me louaient pour transporter les vivres et leur donner. Je trouvais ça un peu trop et j'ai mis la dame comme bénéficiaire. Et quand les états de rapprochement ont permis de voir qu'elle n'était pas bénéficiaire, on m'a demandé de faire un compte de
Un rapport. Un rapport. J'ai fait le rapport, j'ai dit c'est vrai. Je sais qu'elle n'est pas réfugiée, mais je l'ai mise exprès pour pouvoir la faire bénéficier des dotations. On m'a dit que c'est une erreur, on me sanctionne avec un avertissement. Et moi, j'ai déposé ma lettre de démission. Parce que vous êtes parti. Demain, si je devais le faire, je le referais. Et ensuite, vous êtes donc à l'imprimerie jusqu'en 2000. Voilà. Et donc, j'ai eu, avec des amis, à fonder cette imprimerie. Je me suis dit, bon, voilà, continue avec ma disponibilité et je m'essaye. À votre compte. Voilà. Vous êtes ensuite appelé au gouvernement. Oui. Tant que ministre de l'éducation, de l'enseignement de base et de l'alphabétisation, nous sommes en 2000. Bien sûr, au lendemain, des troubles sociopolitiques. 98, consécutive à l'assassinat de Norbert Zongo, oui. Le collège des sages qui est passé par là. Exact. Un gouvernement d'union. Dit d'ouverture. Dit d'ouverture pour pouvoir apaiser le climat politique à l'époque. Pourquoi vous précisément pour assumer ce poste de Meba? Alors, on avait, le collège des sages, dans ses recommandations, avait demandé effectivement que l'on ouvre le gouvernement à l'opposition. Et j'étais dans un parti d'opposition. Parti sankariste. Parti sankariste. Et donc, naturellement, il fallait un cadre. Il s'est trouvé que c'est moi qu'on a, le parti a choisi et qui allait aussi cadrer avec le gouvernement. Mais je pense aussi que Blaise avait son idée derrière la tête. Naturellement, on le disait, une bête politique. Parce que tout ça, c'était un calcul. Et du coup, d'ailleurs, je l'ai senti. Je crois que ce n'est pas faux parce que on me disait on ne peut pas être sur un arbre et puis on taille les branches. J'ai dit non, c'est au titre de l'opposition que je suis venu. Donc, ce n'est pas pour venir avec armes et bagages. Et donc, je savais quand ça s'est apaisé, on dit l'opposition s'oppose à la majorité du gouverne. Et en se disant aussi qu'on appâte pour que les gens aient la peine à retourner d'où ils viennent. On était en 2002. En 2002. Au moment où vous quittiez donc ce voilà. poste. Et donc, je savais. Mais quels étaient vos rapports personnels avec le président Blaise Compaoré à cette époque? Aucun. Enfin, en dehors des rapports de président et de ministre, on avait le conseil des ministres. D'ailleurs, je vous disais que c'est une seule fois que nous nous sommes vus en privé à l'ancien palais. La première fois que je mettais les pieds derrière là-bas après la mort de Thomas Sankara, parce que c'est là qu'il habitait. Et c'était une seule fois en 2002. Mais comment vous pouvez être efficace dans ce contexte-là? Je pense que j'étais efficace quand même. Enfin, je ne peux pas m'apprécier, mais les collaborateurs que j'ai eus au niveau de l'éducation pourront vous dire là-dessus. Mais je pense qu'on peut être efficace tout en n'entretenant pas des rapports particuliers avec le président. Vous n'en avez pas besoin. Mais vous n'avez jamais cru à ce gouvernement d'ouverture? Au début, j'y ai cru. Il faut croire aux autres quand même, je crois. Il faut penser qu'on peut changer. Il a donné l'impression du chat qui a pris la bonne mesure de la chose. Et après? Et après, on a dit l'opposition s'opposait, la majorité gouverne. Et je m'étais préparé, j'ai préparé mes dossiers de passation de service. Je savais que ça partait. 2007-2012, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Avant cela, vous avez été président donc en 2004 du Front démocratique sankariste. J'ai été d'abord président du FFS. Du Front des forces sociales. Voilà. Ensuite, donc, président du Front démocratique sankariste. Oui. Une scission de la Convention panafricaine sankariste de Ernest Nongma Ouédraogo. Oui. À qui vous reprochiez la gestion du parti. Exactement. Considéré, je cite, comme un président directeur général fondateur. Mm-hmm. Rapprochement ensuite avec Maître Benoumendé Sankara au niveau de l'UNI. 2012-2013, vous êtes directeur de cabinet du tout premier chef de file de l'opposition, oui. À la personne, bien sûr, de Maître Sankara. Mm-hmm. Avant là aussi, un divorce. Nous sommes en 2013. On a l'impression, quand on regarde, on ne va pas s'attarder un peu sur les détails de ces épisodes-là, mais en filigrane, ce qu'on voit, c'est cette union difficile à trouver entre sankaristes. Parce hélas. Que, voilà, hélas, ça a toujours... Oui. Avec Ernest Nongba, il y a eu la rupture. Mmh. Avec Maître Sankara, mmh. Rupture. Hélas, et vous n'êtes pas les seuls. On a l'impression que chaque fois que les sankaristes se retrouvent, tout de suite, ça va la nique là. Hélas, oui. Quel est le problème aujourd'hui? Si tant est que
il y a un idéal sans charisme qui vous motive tous. Oui. Pourquoi vous avez tant de mal à vous mettre ensemble? Ben, je n'ai pas le monopole de la vérité, mais je pense que, entre autres, il peut s'agir du fait que le rêve de Thomas Sankara est difficile à incarner par des gens à qui il n'a pas légué quelque chose d'écrit, de bien noté, de... Voilà. Ça embrasse tout. Est-ce que l'idéal sankariste n'est pas un mirage? Mirage, non. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que pour quelqu'un qui a travaillé avec Thomas Sankara et qui y a cru de dire aujourd'hui que c'est un mirage, je ne sais pas ce que je ferais de moi-même. J'ai cru. D'ailleurs, je vous donne la précision de toutes les organisations qui existaient à l'époque, j'avais refusé d'en appartenir. Que ce soit l'ULC, l'ULCR, l'EPAD, etc. J'avais refusé d'en appartenir. Je croyais en l'homme. Et certaines de ces organisations avaient travaillé d'ailleurs à voir ma tête à un moment donné. On m'a remplacé de là où j'étais, Thomas Sankara m'a remplacé. Et ça n'a pas duré quelques mois. Il m'a assis avec celui qui m'a remplacé un jour et lui a dit, bon, écoute, je suis obligé de le faire appel à Fidel. Non pas qu'il soit exceptionnel, mais j'étais en phase et vous n'avez pas la touche à ce niveau, etc. Et le même monsieur, qui est mort d'ailleurs le 15 octobre avec Thomas Sankara, lui a dit, écoutez, camarade président, je m'allie, parce que depuis que je l'ai remplacé, il a toujours été avec moi, sans aucune retenue, il a fait le travail. Et donc... Est-ce que ce n'est pas les hommes aujourd'hui, oui, qui incarnent cet idéal qui ne sont pas à la hauteur? Je ne crois pas non plus. Je crois qu'il faut y mettre un ensemble de choses. C'était à une époque particulière, et comme vous l'avez dit, dans un régime dit d'exception, et Thomas avait aussi ces facilités-là que nous n'avons pas aujourd'hui. D'un. Et de deux, j'y ajoute aussi le fait qu'il n'a pas laissé de codification écrite qui dise voilà, ça, c'est ça le sankarisme. Et donc, on peut se retrouver dans le cas de figure où Kiatka fidèle à son image, non, c'est ça le sankarisme. Norbert en avait le sien, Benoende le sien, maître, Ernest Nogma, le sien. Mais on a ça de commun. On est sankariste, on reste sankariste. Et je ne désespère pas que, vous avez vu, les jeunes aujourd'hui sont plus sankaristes que nous, qui ne se retrouvent dans aucun de ces partis, et ceux-là d'ailleurs qui ont réagi par rapport à la publication, à la part de vérité du médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo, ne sont certainement pas de... Êtes-vous toujours sankariste quand vous êtes membre du bureau politique du mouvement du peuple pour le progrès aujourd'hui? Je ne suis pas seulement membre du bureau politique, je suis membre du bureau exécutif. Du bureau exécutif. Voilà. Vous êtes notamment secrétaire national aux questions et stratégies électorales. Je ne suis pas le seul sankariste à y être. C'est tout fait de sankariste. Parce que le sankarisme, c'est rien d'autre que croire aux valeurs du travail, de probité morale et intellectuelle, de droiture et de courage. Ce n'est pas autre chose. N'allez pas chercher plus loin. Il n'y a aucune contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Sankara disait, l'impérialisme, là, c'est dans vos assiettes, regardez les grains de riz, voilà, c'est ça l'impérialisme. Donc, le sankarisme, c'est croire aux valeurs du travail, de probité morale et intellectuelle, de droiture, de solidarité qu'il a incarné. Je retrouve des sankaristes dedans. Et la vie, c'est des évolutions. Il y a beaucoup de gens que j'ai combattus quand ils étaient au CDP, avec Blaise, que j'ai retrouvé sans aucun, comment dirais-je, sans aucun problème au niveau du MPP. On est en politique. Ils m'ont combattu. Ils peuvent avoir une certaine responsabilité dans certaines choses qui se sont passées. Le président du Faso a été d'ailleurs le premier à s'en excuser auprès du peuple burkinabé. Je trouve que c'est une grandeur d'âme. Vous parlez du président Roch Kabore. Roch Christian Kabore. Et donc, je n'ai pas de problème à me retrouver sankariste au sein du MPP. On va évoquer les élections qui arrivent. 22 novembre 2020, c'est donc l'objectif qui a été donc, qui est aujourd'hui fixé pour tous les partis politiques. Des élections dans un contexte difficile, un contexte d'insécurité.
à tel enseigne que beaucoup s'interrogent aujourd'hui si véritablement le rendez-vous pourrait être tenu et quelle élection on pourra organiser dans ce contexte-là. Est-ce que vous partagez cette inquiétude? Ah oui, nous tous partageons cette inquiétude avec quelque part la foi et l'espoir que on ne vainc pas un peuple entier. Il finit toujours par renverser la vapeur et que les conditions pourront être réunies. En tout cas, nous travaillons, je crois, à ce que ces élections se tiennent parce que c'est un rendez-vous que nous avons pris dans l'histoire de l'évolution de l'histoire politique du Burkina Faso. Au niveau du MPP, est-ce que aujourd'hui l'alchimie est parfaite pour aller vers cette élection? Parfait. Qui est chargé des questions de stratégie, justement. Parfait, non, je ne dirais pas. Mais je crois que c'est un travail perpétuel de perfectionnement. Il faut tenir compte de tout ça et travailler avec nos partenaires à l'intérieur comme à l'extérieur pour que nous arrivions à l'apaisement maximal afin que les élections se tiennent. Au sein de... Si ce n'était pas le cas, ensemble nous aviserions, mais bon, je ne pense pas pour le moment à ce cas de figure. En tout cas, au sein de l'opposition, on s'organise. Oui. Au niveau du CFOP, l'heure est à l'union. Mm-hmm. En tout cas, le processus est enclenché pour aller vers, en tout cas, ces élections de façon unie. Est-ce que cette union recherchée de l'opposition n'est pas de nature à vous inquiéter? Vous ne pouvez pas en vouloir à ceux qui sont en face de vous, qui cherchent à vous remplacer. Mais vous pouvez vous en inquiéter. On peut s'en inquiéter, mais bon, ça servirait à quoi de s'inquiéter? Il vaut mieux plutôt prendre la mesure de la chose et se préparer en conséquence. Vous n'avez pas à tomber dans les jérémiades ou à vous morfondre, ça vous avance à quoi? Je crois qu'au contraire, au niveau du MPP, que l'opposition s'organise, devrait donner aussi plus de motivation et de punch pour que vous travaillez. Et ça élève le niveau aussi, d'ailleurs, de ces confrontations. L'opération d'enrôlement sera lancée donc ce lundi à Dédougou, au niveau donc national. L'opération d'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur, elle, est finie. Et c'est soldé par un, on peut appeler ça un échec, parce que sur près de 2 millions qui étaient attendus, on a pu finalement enrôler que quelques milliers de Burkinabés. Pour vous aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la responsabilité des partis politiques également qui est engagée? Parce que même à l'intérieur, ici, on a toujours eu des problèmes, on a un fichier électoral qui, de tout temps, a toujours sonné assez creux. Oui, je ne m'attendais pas à ce que vous me tendiez la perche. Vous avez répondu en partie à cette question. J'allais aussi passer par là pour vous dire que même au plan national, depuis les consultations qui se sont passées jusqu'à présent, sur un potentiel de plusieurs millions de personnes, 6 à 8 millions d'électeurs potentiels, on s'est retrouvé avec souvent moins de 2 millions de personnes qui ont voté le président Blaise Compaoré. Ça ne l'a jamais empêché de dire qu'il a été élu avec 80%. C'est tout dire. Quand vous vous abstenez ou quand vous... Si l'on y prend garde, est-ce que ce n'est pas ce qui risque de se produire encore? Non, je pense qu'on va progresser. Irrémédiablement, on va progresser par rapport à ce qu'on a constaté jusqu'à présent. Où on a eu des cartes d'identité qui ont été rassemblées, jetées ou brûlées, etc., parce qu'on a suspecté les électeurs de chez M. Ouédraogo d'être pro-Tiantaga, etc. Et puis on ne leur délivre pas les documents. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire à la base, justement? Mais justement, c'est ce qui est en train de se faire. Véritablement, oui. Parce que là, c'est également votre responsabilité. C'est justement ce que... quand les populations vont se rendre compte, et d'ailleurs on entend des témoignages, quand elles se rendent compte que ce n'est sous la contrainte de personne, mais qu'elles peuvent aller exercer librement ce devoir citoyen, elles vont aller s'inscrire. C'est vrai que l'habitude est une seconde nature, on n'aura pas tout le potentiel, mais vous allez voir que les chiffres vont évoluer. Et donc, de l'extérieur aussi, ce que vous avez relevé, vous ne pouvez pas attendre que ceux qui ont été recensés pour la première fois quelque part viennent faire mieux que ce que vous avez souvent réalisé à l'intérieur.
Monsieur Kédiga, cette semaine est marquée également par, en tout cas, la question de la réconciliation nationale qui a suscité des sorties. On a vu donc le comité de l'appel de Manega qui a rencontré la presse avec, bien sûr, les recommandations des sages, les 11 sages qui ont recommandé, entre autres, des excuses publiques de la part et des insurgés et des responsables du coup d'État. On a vu également M. Achille Tapsoba du CDP qui a estimé que pour qu'il y ait réconciliation, il fallait d'abord que le président Blaise Compaoré soit là et que ça ne peut pas être autrement. Comment vous réagissez à ces initiatives, en tout cas tendant vers la réconciliation nationale? Une seule constante qu'il faut retenir. On ne peut pas être un patriote, avoir une famille, avoir sa nation qu'on veut dans la, se construire dans la paix et ne pas vouloir de réconciliation quand les gens ne s'entendent pas. C'est creuser sa propre tombe. Mais tout dépend maintenant de ce que les gens mettent dans la réconciliation. Vous avez vu, par exemple, vous avez parlé tantôt du Rwanda. C'est un pays qui représente à peu près un dixième du Burkina en termes de superficie. Pas plus de 27 000 ou 26 000 kilomètres carrés. Où, en quelques semaines, il y a eu dans les 800 000 morts, et souvent avec des machettes. Les génocides. Les génocides. Et qui, aujourd'hui, bon an, mal an, est arrivé quand même à rassembler les pièces, les pièces du pays. Est-ce qu'on en prend le chemin au Burkina à travers cette situation? Donc, je vais en venir pour dire que cette réconciliation, c'est un passage obligé. Mais encore faut-il que les gens aussi le connaissent quelque part, souvent, ce qu'on a fait de mal. Il faut passer par là. Sinon, réconciliation pour réconciliation, d'autres vont faire la même chose et puis demander demain qu'on voilà, on a réconcilié hier, on se réconcilie aujourd'hui. Il faut que chacun ait le courage de regarder ce qu'il a fait en face et de dire oui, j'ai fait ça. C'est pas encore le cas? J'espère que ça sera le cas. Monsieur Kédéga, également cette interview du général Djibril Bassolé, aussitôt donc arrivé en France pour des soins. En tout cas, beaucoup ont estimé que c'était une sortie qui n'était pas bien calculée parce que les conditions dans lesquelles il a obtenu donc l'autorisation d'aller se soigner en France étaient telles que beaucoup avaient été émus par cette photo du général sur les réseaux sociaux. Comment vous réagissez à cette sortie médiatique du général? Vous savez, celui qui a donné à tous les Burkinabés à l'extérieur d'entendre sa voix disant « Oui, il faut aller tirer à l'ouest, aller tirer où ?» Comme ça, les forces de défense et de sécurité vont se ruer là-bas et permettre aux auteurs du coup d'État le plus bête du monde, comme on l'avait qualifié, de se réaliser. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Mais vous pensez, est-ce que selon vous, il aurait dû se taire ? Non, il faut qu'il il aille jusqu'au bout de sa logique. Et c'est cette logique-là qu'il est en train d'exprimer. Bon acte. Cette semaine également, il y a eu ce projet d'augmentation des tarifs au niveau de l'opérateur de téléphonie Orange qui suscite des gorges chaudes. Orange se justifie. Il s'agit d'une réponse à la loi de finances 2020 qui prévoit donc une augmentation des taxes pour ce qui concerne ces opérateurs de téléphonie là. Comment vous réagissez à cela? Est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher pour communiquer? Oui, je suis prêt à payer plus cher. Qu'Orange commence au moins à mettre les infrastructures qu'il faut. Ils prennent beaucoup d'argent chez tout le monde, depuis la vendeuse d'Orange, depuis la paysanne dans le coin le plus reculé, et de moins en moins de réseaux pour téléphoner. Ailleurs, on les aurait, je ne sais pas, qu'ils pensent à ça d'abord, par rapport au pactole qu'ils amassent chaque jour, plutôt que de parler d'augmentation. Et ça, c'est le consommateur vraiment qui réagit. C'est celui qui est en contact avec les masses au niveau des villages, etc., qui réagit. Vous avez un pays où vous opérez, où vous engrangez, et vous ne mettez pas les infrastructures. Ailleurs, on le fait. Mais ils se justifient. Ils disent que c'est l'augmentation des taxes à leur endroit également. Non, en tout cas, j'ai retenu ça aussi. Oui, évidemment. Évidemment. Quand vous laissez les gens, ils n'ont pas de limite dans leur voracité. Il faut qu'on leur réponde comme il faut.
qu'ils ont un devoir, parce qu'ils ont pris des engagements vis-à-vis du peuple burkinabé. Monsieur Kiatega, il y a également cette question inquiétante du cas suspect du coronavirus. Rien de confirmé jusqu'à présent rassure le gouvernement. Heureusement. Mais il n'en fallait pas plus pour susciter donc, en tout cas, un vent de panique et de peur à peine dissimulé. On le voit sur les réseaux sociaux. Oui. Vous, dans quel état d'esprit vous êtes quand vous savez donc que des cas suspects comme ça? Est-ce que vous êtes de ceux qui versent dans la panique ou bien est-ce que vous gardez la sérénité et la tête froide? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je retiens mon souffle en espérant que ce qui arrive ailleurs, dans une Chine qui est la deuxième puissance économique du monde et qui continue de monter et qui malgré tout enregistre plus de 25 000 contagions et aujourd'hui plus de 600 morts, que ça n'arrive pas sur la tête, en plus de ce que nous vivons, ça n'arrive pas sur notre tête. On l'espère, on prie. Vous pensez qu'on a pris toutes les mesures? Alors, toutes les mesures, c'est quoi? Je ne sais pas. En tout cas, pour se prémunir. Le premier responsable de la santé a assuré, ils tiennent des réunions avec leurs états-majors pour exercer une surveillance très accrue. Parce que tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas chez nous. Si ça peut ne pas arriver. Mais le monde est ce qu'il est. Les gens viennent de Chine, nous allons et nous revenons. Les gens viennent du Japon, nous allons et nous revenons. Les gens viennent de France, d'Allemagne, etc. Il y a déjà eu des contagions, on l'a dit. Vous êtes résilien? Non, ce n'est pas de la résignation. Au contraire, il faut espérer. On n'aurait pas le droit de vivre si on n'espère pas. C'est quelqu'un qui va s'arrêter là pour ce soir. Oui. Merci encore d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, Sur la Brèche, ce soir, nous recevions M. Fidèle Kiatega, administrateur civil à la retraite, mais aussi ancien ministre de l'enseignement de base et de l'alphabétisation, membre du bureau exécutif du mouvement du peuple pour le progrès. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.